Zombie Apocalypse. Sir, there's been another incident. What? Incidents are my least favorite thing right now. Ray has escaped us again. He's no longer even in the asylum. All right, this isn't working. We'll need to take a different approach. Something deadlier. Ah, I've got it. Guys? Fellow patients? I guess I'm alone then. In the wilderness. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve sur Jesso Gaming pour la suite de Stick It to the Man. Donc ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué, enfin que j'y ai pas joué. Enfin bon voilà, j'ai eu des petits problèmes, on va dire ça comme ça. Du coup je préfère arrêter. Donc voilà, ben on est reparti, hein, de toute façon on lâche rien, on est motivé. Je voulais vous faire aussi un gameplay sur Bloodborne. Donc je l'ai testé un peu parce que putain. Ah, je suis rattrapé. Parce que vous m'avez dit qu'il était assez dur. Je l'ai testé et mais en effet, il n'est pas super simple. Surtout en gameplay, il est pas terrible, je pense. News flash. A lunatic has just escaped from the Morrow Hill Mental Institution. He is considered armed and dangerous. The body of his girlfriend was discovered in their shared apartment earlier today. If you see this man, do not approach him. Report him to the authorities. Please call the authorities before posting about this on social media. What? Arlene's dead? I didn't kill her. What's going on? I gotta get back and see if she's all right. A dramatic manhunt is going on in the downtown core, with air support from police helicopters involved in the search. We're assured that the suspect will be in custody very shortly. Further updates as the situation develops. Oh! Yes, you are on the TV! Oh, wait till I tell about this on Facebook, bro! Oh, check it out, dude. I think I'll go to blast the boost man first, though. Eh ben, apparemment, y'a pas que moi qui ai des problèmes! Ah, mon garçon! Du coup, voilà, je disais ouais, que j'allais faire un truc que Bloodborne, finalement, je le fais pas. Par contre, il y a un jeu qui m'intéresse fortement, je vais vous faire, qui sort le 26 août, je crois. C'est un bon ami qui m'en a parlé. Donc, je vais pas vous en dire plus pour le moment. Je sais pas si ça vous plaira, c'est un jeu d'horreur. Un jeu d'horreur, voilà. Je vais pas aller plus loin, hein. Je vais essayer de sortir quand même. Ah, c'est par là qu'il fallait, de toute façon. Je pense. Non, d'accord. C'est pas par là. Ok. Bon, bah au moins, on sait. Maintenant, on sait. Alors, du coup, je vais passer par là. Je vais passer par là. Ensuite, je vais aller où? Je sais pas. Je sais pas que ce jeu-là vous intéresse, quand même, qui vous plaît. Prenez plaisir à gagner le gameplay. Je comprends pas, en fait. Ah, d'accord. Ceci explique cela. Ok. Puis voilà, si mes gameplays vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à partager aussi. Ça pourra me faire connaître et du coup, bah voilà, je pourrais être des différents jeux et peut-être des jeux qui vous plairont peut-être un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en disant voilà, j'aimerais que tu testes ce jeu-là et tout. Lors d'un prochain gameplay, ce sera avec plaisir que je le ferai, tout simplement. Et là, ça va être un... Voilà, ça va être un plaisir, je vais me prendre une charge écrite dans le cul. Voilà, pour vous faire plaisir aussi. Je sais pas comment te démerder. Là, tu m'as vu. Ok. Attends, ce temps, je passe par là. Je passe par là. C'est chiant, il court pas. Ouais. Non, j'ai vu, voilà. Alors, ok, je peux récupérer ça. Je
récupérer. Ça suffit quoi, si je te récupère ça? Tu veux pas. En gros, tu veux pas me donner. D'accord. Bon, on va savoir ça plus tard. Pourquoi? Attention, criminal citizen. I have you surrounded. There is no possible escape. I'll be moving in regular, predictable, circular search patterns to ensure that you cannot possibly escape. Eh oui, bah ça, on est un fugitif. Ça ne rigole plus. There he is. Oh, dégage. Oh, putain. Ah putain, je te bavais. Allez, hop. Hop. Attention, citizen. You are entering a restricted area. I'm just wanting to leave. No citizens, except for Donna Grandiosa, may pass through this checkpoint until the suspect is in custody. T'es con, tu le fais exprès? Suspect. He's wanted for escaping a mental institution. And murder. Oh, well, he sounds like he looks a lot different than I do. I appreciate the tip, citizen. Ah, mais lui, il est vraiment con, hein, putain. Ok, ça m'a fait dégager jusque là-bas. Je me suis dit qu'en passant par là, justement, ça allait faire à l'inverse. Dans le sens où ça allait peut-être me ramener justement derrière le barrage. Mais non. Mais non, ça a été trop beau. Ah, je peux passer par. Ok, d'accord, toi j'ai pas vu que t'avais fait le tour. C'est cool. C'est cool. Alors, hop. J'aimerais bien aller dans tes pensées, putain. Je vais pas aller dans ses pensées à lui. Bon, putain, je suis sûr qu'il y a un sujet de pensée pour toi à faire. Tu peux te penser avant. Oh, mais ouais, putain, j'allais dire, ouais, vas-y, tu peux t'appeler. Bon, je sens que je vais galérer. Je le sens vraiment. I know you're out there. Tac. On va faire ça. On va faire ça. Ah voilà, faut. There he is. Putain, non, mais non, mais non. De toute façon, par là, il n'y a rien à faire. On va aller voir tout à l'heure. Il n'y a rien à faire. Par logique. Par logique, elle serait là-haut. Je peux aller là-haut. Elle, je l'ai bien dans ses pensées. Tu sais que le seul moyen d'être vraiment heureux, c'est d'être vraiment triste. Ouais. Déprime, bonjour. Ok.
Ah, tout est basé sur Donna, quoi. Tout est basé sur elle. Can you take me to... Beat it, wise guy. You're all balled up. This here ride's for the great Donna Grandiosa. And you don't sound nothing like her. Oh, but I didn't even talk to you yet. Well, you have now, you flat tire. I may be weak in the peepers, but I got the ears of an eagle, see? Your pipes ain't got nothing on hers. Now get a wiggle on, you ossified owl. You bore me. Enfin, je ressemble à Donna, à mon avis. Donc c'est vrai, c'est par la voix et tout. Oh my goodness! The mob! J'ai sa voix maintenant. Parce que je suppose que c'était elle, Donna. Pas logique. You can activate the XP5260 series helicopter complete with an Oilo Extreme engine. Jess is running on a special mix of diesel and dichlorethylene. I know you're out there. Hop. Là, on va descendre là. Là. Hey, hey, Maria. Don't put your dirty ashes in there. That's my baby's home. Get away from me, Joe. I've got a restraining order on you. 150 feet, Joe. There. That's 151. Get a life, Joe. I've moved on, and you need to do the same, too. Maybe you should find someone to love more than you love stupid helicopters. I have, and you're dumping ash into his home. What? Sorry, I can't hear you over the sound of how pretty my hair is going to be. Oh, my gosh. Other people's emotional problems are so boring. Testing. Wow. There we go. So fancy. So beautiful. Ah, je suis beau. Ah, je suis en mode beau gosse là. Ah putain. Que faire? Du coup, mais maintenant, je peux passer le barrage tranquillement, puis aller voir le mec. Qui avait la bagnole là, le chauffeur. Je vais aller voir le chauffeur. Je sais pas pourquoi, mais. Thank you.
won't stick. Oh, here she is. Ouais, putain, je suis très con. Du coup, je vais aller voir le mec là-bas au barrage. Quoi que non, parce que là, je viens de voir qu'il y a un truc à faire. Putain, je suis con, hein. Voilà. Ah mais tête de cul va. Putain, elle se pose des questions. Hein. Alors, il y aura autre chose à faire, mais quoi? Un audiophile. Bah à mon avis, tu te parles plus avec sa bouche. Peut-être avec son cul, mais pas avec sa bouche. C'est foutu maintenant. Alors, c'est elle, faut que je trouve quelque chose. Bon, vu qu'elle va être mime. Ça doit avoir un rapport avec ça. Pas logique. Putain, non, mais non, mais non, mais non, mais non, putain. Ça, c'est pas cool. Ok, à travers le décor, sympa. Sympa. Par contre, j'ai à voir un truc à côté du clocher. On pouvait enlever un truc. Non ? Ça ? Allez, hop. 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 Oh, mais... Gars, yeah, franchement. Hop, 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 hop. Oh, c'est sexy, ouais. On dit chacun ses goûts. Des goûts et les couleurs sont dans la nature. Bon, en haut, il n'y a rien à faire. Hein. Je suis désolée. Mais... Je vois pas. Quoi faire? Voilà ce qui manquait. Putain, on sait bien aussi qu'il y avait un truc avec ce truc là aussi. You wouldn't let a friend down, would you? Hey, that's a great idea. We can go to the opera. That'll show her I'm a classy man who appreciates the finer things in life. Like paying to have strangers sing at me. Tu me donnes rien? Le chien.
Ok, c'est cool. Bon, au final, je l'ai aidé, mais... Great idea! We can go to the opera! Ok, fallait comprendre. D'accord, donc là maintenant je vais ramener les poissons au Pélican. Du coup, par logique. Ok. Il va rejeter le poisson. Moi, je récupère le poisson. Je mets le poisson là. Excuse me. I'm looking for my fish and I... Oh my gosh, that's him! You know that fish? He's my only true love, and you stuffed him? And yet he's still alive. What can I say? I'm a very good taxidermist. You're wonderful. So talented, so beautiful, so awesome. You're like the best fish in the world. Only you're a human female. You're not so bad yourself, handsome. I never believed in love at first sight until this very second. Oh, c'est trop mignon. Donc du coup, je récupère ça. Although, come to think of it, I guess most dead foxes look pretty much the same. Du coup, maintenant, je peux passer. Non. Il doit manquer un truc. Merde, c'est pas toi, je parle. Mais non. C'est à elle. Ok, alors, du coup, je ressens quand même de mieux en mieux, hein, de plus en plus, pas de mieux en mieux, mais... Apparemment, il restera un truc à faire par ici. Attention, je vais aller de l'autre côté. Parce qu'il y a le point d'interrogation. Donc, je vais aller de l'autre côté tranquillement. Je peux voir là. Hein, à faire. Ouais. Tac. Mais non. Mais non, c'est parce que je voulais faire. Voilà. Ensuite, tac, tac, je vais comme où je suis. Ok, ok, ça serait, ouais, c'est le truc là, là. C'est le truc qui est là. Can you take me to... Oh, Donna, a pleasure as always. Your chariot awaits you. Ben voilà. Tout simplement. Thanks for the ride. Finally home. I hope Arlene is back home and safe.
C'est pas par là, c'est de côté. Merde. Là. Hop là. Arlene, are you there? Arlene! You said such terrible things on the news. Oh, thank goodness. Arlene, you're here. Arlene, I... You got it, boss. Ok les amis, bon bah écoutez, on va se laisser là. On a fini le chapitre 7, nous arriverons au chapitre 8, le cauchemar, prochain épisode. Bon, je vais vous montrer le début un petit peu pour vous donner envie. Et nous, on se dit à très bientôt sur Jesso Gaming pour d'autres vidéos et pour la suite de Stick It To The Man. À bientôt les gamers!